D'abord, bonsoir Lisa. Bonsoir Henri. Qui je suis? Oui. D'abord, je dirais je vis. Souvent, on me pose cette... enfin, de temps en temps, il m'arrive qu'on me pose cette question-là. Parce que j'aime bien qu'on arrive à me connaître d'abord, non pas que forcément comme médium, mais comme être humain en premier. Voilà pourquoi. Qui je suis? Bah, quelqu'un qui a un parcours un peu atypique, faut dire ce qui est. Depuis très, très jeune, je suis médium. Et puis, j'étais amené à aider les gens parce que ça m'était demandé dans l'au-delà, alors que j'avais un métier que j'ai toujours aimé, qu'au ciné, théâtre, cinéma, télé au départ. Voilà. On va parler un petit peu de vous. Quel Oui. genre de petit garçon étiez-vous? Ah, dynamique, vif, seul garçon de la famille, entouré de sœurs, oui. Beaucoup de cousins, de cousines, vraiment très, très unis familialement quand même. Solitaire en même temps, parce que tout petit, déjà vers 7 ans, dans les premiers phénomènes que j'ai pu vivre avec l'au-delà, ayant pris conscience des forces invisibles à ce niveau-là, eh bien, j'ai commencé à avoir eu ce besoin d'être un peu de temps en temps seul, marcher dans la nature, et le bord de mer, parce que je suis natif des bords de la mer, de Royan, belle région. Je ne suis pas chauvin, mais c'est une belle région. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions quand les autres m'ont amené à des questions qui m'ont dit, mais c'est quoi que tu vois? Parce qu'ils m'ont dit, eh ben, c'est pas normal. Moi, au début, dans mes perceptions, je croyais que tout le monde avait ce genre de choses. Et finalement, c'est le regard des autres qui amène la différence, en fait. Et j'ai commencé à avoir ces perceptions d'esprit qui me montraient où leur vie, leur visage, plein de situations différentes. J'ai commencé à en parler à mes parents assez jeunes quand même. Hein. Et puis, bon, évidemment, que ça chamboulait la famille. Comme il y a eu beaucoup de phénomènes qui ont suivi également autour de moi, déplacement d'objets, des tas de choses qui sont passées. Alors, j'ai eu des prêtres aussi avec la famille. Voilà. Dont j'ai entendu dire que c'était le diable qui me possédait, voilà. C'était pas du tout le cas, évidemment. Hein. Donc, et j'ai très bien compris, de toute façon, que ce qu'il disait était complètement faux, parce que j'étais très bien par rapport à ça. J'ai pas été dérangé par rapport à des choses négatives. Au contraire, c'était un éveil que j'ai vécu. Et au fur et à mesure que j'ai évolué, comme on peut grandir dans l'éducation, comme on dit en général, eux-mêmes dans l'au-delà m'ont éduqué aussi par des tas de phénomènes, de perceptions, et puis en même temps un apprentissage aussi à des corporations que je ne savais même pas je sais pas ce qu'était, pardon, une décorporation, parce que chez moi dans la province natale, il y avait une librairie qui avait deux, trois bouquins ou quatre bouquins sur la voyance, mais jamais sur l'au-delà, quoi. Il n'y avait rien du tout, donc je ne connaissais pas du tout. Ou comment tirer les cartes, quoi, c'était ça. Et on m'a éduqué, voilà, au fur et à mesure, jusqu'au jour où j'ai eu la première décorporation. Mon guide m'a dit, viens. J'ai commencé déjà à l'entendre au départ. Et là, bah, ça en est suivi vraiment des expériences extraordinaires, je peux dire, sur les voyages astraux. Et là, je pourrais dire que je n'ai jamais pu aller où je voulais. Quand je me décorporais, parfois c'était vraiment très dense, très rapide, ou lentement, ça dépendait des fois. Eh bien, je me disais, chouette, j'allais voir maman, j'allais voir un tel. Eh bien non, impossible, c'était impossible. Donc, ça s'est passé comme ça. Et alors, c'est votre guide qui provoquait cette décorporation? Absolument. Me concernant, c'est vraiment lui qui m'a amené justement à me guider, me diriger vers les endroits, les lieux, pour me faire comprendre les certains plans. Alors, j'ai pas visité des endroits, l'univers, comme on dit, j'ai eu accès à ce que j'avais le droit de percevoir, pour me faire comprendre ce qu'était une dimension spirituelle et non spirituelle, parce qu'on va montrer aussi l'inverse du spirituel dans l'au-delà, bien sûr. Voilà. Et après, j'ai compris pourquoi, parce que j'étais attaqué par des esprits dans ma vie, quoi. Oui. Et c'est vers quel âge que tout ça commence? Le départ, comme j'ai dit à l'instant, c'était 7 ans enfant, en toute conscience, par un phénomène très précis d'un pendu qu'il y avait dans une pièce chez les parents, dans cette ferme. Et puis, deuxièmement, après, c'était des phénomènes physiques, comme j'ai dit à l'instant, déplacement d'objets ou autres qui sont passés, des perceptions après sauvages que je commençais à avoir sur la famille. À 11 ans, j'ai vu comment mon père allait mourir, donc c'est quand même pas évident quand on est très jeune, oui. Donc, beaucoup, beaucoup d'années avant, puisque mon père est parti de ce monde en 1994, et en janvier, et donc des années plus tard, d'abord j'ai prévenu, mais bien sûr, mes proches, hein, à ce niveau-là. Par exemple, et quelques temps avant que mon père ait ses problèmes qu'il l'emporte de l'autre côté, j'étais prévenu à nouveau par mon guide spirituel justement que j'allais pas que mon père allait partir. Donc là, j'ai averti la famille, mes proches, bien sûr, pour dire qu'on faisait pécher parce que ça se passait maintenant. Donc c'est pas évident de vivre ce genre de choses,
J'ai déjà vécu des expériences aussi autres dans le familial ou amical. J'étais prévenu aussi pour des proches qui allaient partir. Bon, pas beaucoup, merci mon Dieu, mais ça m'est arrivé. Mais donc, tout ça, ça nous amène bien sûr à grandir, à comprendre qu'il y a une dimension spirituelle. Et ça m'a apporté bien sûr cette connaissance en même temps qui me permet de pouvoir transmettre aussi à mon tour, aussi, quand je rencontre les gens en privé ou en public, bien sûr, pour pouvoir à commencer à ce que l'être humain comprenne qu'il n'y a pas que cette dimension physique, mais qu'il y a bien une dimension au-delà et qu'il y a une force supérieure à nous qu'on appelle Dieu, autre chose qu'importe le nom. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille qui ont des dons? Ah, bonne question. Alors, il s'avère que du côté de mon père, il y a un médium, un cousin germain, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, du reste, qui était aussi guérisseur et médium. Il y a aussi la cousine germaine de ma grand-mère, aussi côté paternel, aussi, qui exerçait comme guérisseuse et médium et guérisseuse très connue, puisqu'elle partait souvent auprès de gens très importants, je ne vais pas dire les noms, même politiquement aussi, très demandée par eux aussi, et d'autres gens de sa petite province de campagne. Elle s'appelait Linette. Et puis, elle est partie il y a un an, à peu près, elle aussi. Du côté de ma mère, il y a une charmeuse serpent, aussi, qui adorait. Bon, elle avait le don pour prendre des serpents, elle adore les serpents. Donc, bon, évidemment, en France, ce n'est pas des boas, hein, évidemment, mais c'est des vipères, des couleuvres, tout ce qu'on veut, mais elle adorait ça. Puis, son fils avait cette passion et ce mécanisme aussi de pouvoir être attiré par lui aussi, dans ce genre de choses. Et il y a eu aussi J'ai une cousine germaine que j'ai beaucoup aidée dans ses dons de médiumnique qu'elle a eu très jeune, qui exerce aussi en tant que surtout voyante, plus que médium. Ça arrive en médiumnité, mais plus la voyance en ce qui la concerne. Et puis voilà, après j'ai une nièce qui a aussi des flashs aussi un peu, maman qui a des mêmes phénomènes aussi depuis très longtemps, aussi médiumnique. Voilà, elle a beaucoup de flashs, ma maman, aussi de temps en temps, qui lui arrivent, qui la concerne plus, c'est marrant, qui la concerne plus elle-même que l'entourage familial, c'est marrant ça. Donc votre famille réagissait très bien, hein? Oui, absolument, oui. J'ai pas eu de problème. Bon, c'est quand même moi qui ai ouvert la voie en discutant, parce que quand j'ai parlé de tous ces gens-là à l'instant précédemment de famille, on me disait pas. On n'en parlait pas. Je l'ai su qu'un peu plus tard, quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans. Mais avant, on n'en parlait pas du tout. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Et j'étais pas né dans une famille non plus en recherche à ce niveau-là. Mon père, côté de mon père, c'était tous des protestants. Et maman, c'est père protestant, mère catholique. Donc la Charente-Maritime était dominée par les protestants dans le passé, avec les morts, etc. Donc voilà. Donc, mais pas pratiquant non plus, ni d'un côté ni de l'autre. Vous voyez? Alors, vous avez eu des expériences avec des saints? Ben, j'ai eu la chance, oui, ben, c'est même pas la chance, je rectifierai avec un grand mot en disant grâce plutôt que chance quand même. Hein. Oui, je l'ai évoqué dans mon livre aussi, En contact avec l'invisible. Sauf que j'ai parlé bien sûr de la petite Sainte Thérèse de l'Enfance de Jésus que j'ai pu voir au pied de mon lit apparaître il y a maintenant pas mal d'années, qui m'avertissait justement d'un phénomène mondial, c'est-à-dire un fait mondial, pardon. C'était sur la première guerre du Golfe. Donc elle m'avertissait comme quoi il allait y avoir une guerre, mais c'était imprévisible à l'époque. Elle m'a prévenu 15 jours à peu près environ avant, vous voyez. J'ai eu le curé d'Ars qui était venu. Alors, je connaissais de réputation, j'avais déjà lu bien sûr sa statue dans les églises, mais je n'avais pas lu sa vie. Et il est venu me voir traversant la porte de ma chambre. Et en même temps, c'est quand il s'est retourné vers moi. Au début, je l'ai vu apparaître glissant sur le sol, translucidement. Il s'est retourné vers moi. Quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. Et c'est là qu'il m'a fait comprendre qu'il venait m'aider par rapport aux attaques que j'avais dans le passé, justement, du bas astral. Et j'ai compris en lisant des livres et me renseignant comme quoi lui-même, comme beaucoup de saints, a été attaqué aussi par ce que lui appelait le grappin, lui, à l'époque. Voilà. Et je suis allé après voir aussi près de Lyon, là où il habitait aussi, où il a vécu. Donc voilà. Et ensuite, ce que je n'ai pas évoqué dans mon livre, c'est des liens que j'ai pu avoir en manifestation et signes extraordinaires aussi du bon Padre Pio, du grand saint italien que beaucoup adorent aussi, vénèrent. J'ai eu des grâces, des choses fantastique avec eux aussi, à une époque. Maintenant, pas, bon, je ne demande rien. C'est eux qui décident là-haut. Vous auriez une petite anecdote quand même avec le papillon? Ah, une anecdote, j'en ai eu plusieurs, c'est vrai. Une anecdote avec le Padre Pio. Ah, si, j'ai déjà une belle manifestation. Un jour, je suis allé prier à la rue du Bac, la chapelle de la Médaille Miraculeuse qui est bien connue.
qui était apparu à Catherine Labouret en 1810. Et comme je ne vais pas souvent à l'église, mais quand je passe devant une église et que j'ai envie de rentrer, ben je rentre. Ce serait une mosquée ou un temple, c'est pareil pour moi. C'est un lieu de prière, c'est un lieu de un temple, comme on dit, de prière. Moi, la prière, elle est partout. Hein. Elle est chez moi, elle est dans la rue, on prie d'être dans un état de conscience qu'on a divin ou pas, à ce niveau-là. Donc je rentre dans la chapelle de la Médaille Miraculeuse, il y avait une messe qui avait commencé. Et comme il y avait beaucoup de monde, j'étais près de l'entrée, près du bénitier. Qui se trouvait sur ma gauche. Et quand je vois des gens dans une église, par exemple, hein, pour citer le lieu, je prie toujours pour les gens qui sont là, en premier. Je prie pour eux d'abord en premier, qui sont là, qui demandent quelque chose. Et ensuite, je demande pour les miens, ou pour les défunts, ou pour les vivants, ou même moi, si j'ai besoin pour eux, espérons une grâce ou autre. Et là, j'ai, au moment de prendre l'hostie, l'Eucharistie, je ne l'ai pas pris. Pourquoi ? Parce que je me remets en question sur le plan spirituel. J'aime bien faire un travail comme je peux. Personne n'est parfait, évidemment, et on ne sera pas sur terre. Même les saints eux-mêmes se trouvaient imparfaits de toutes les manières. Et donc, je ne suis pas allé, me trouvant un peu indigne de prendre l'hostie. C'était comme ça que j'ai ressenti, comment je l'ai vécu, en fait. Je suis ensuite rentré chez moi. Et comme tout le monde, je vaquais à mes occupations, télévision, répondre aux courriers, tout ce qu'on peut faire, chacun de nous. Et au moment de me coucher, beaucoup de gens savent que je dors très peu, je suis presque insomniaque, on va dire. Et au moment de me coucher, je suis couché sur le côté droit dans mon lit, allongé. Et là, je sens une présence, j'ouvre les yeux, je vois une brume devant moi. Et là, bouche bée, parce que qui je vois, le Padre Pio, matérialisé. C'est la première et dernière fois que je l'ai vu de ma vie matérialisée. Hein. Et là, il a été très vite quand même. J'étais tellement étonné, j'avais la bouche comme ça ouverte, par l'étonnement, ébahi. Et là, avec sa main, il avait une hostie, il m'a donné l'hostie. Et j'ai senti l'énergie de l'hostie dans la bouche, comme ça. Il a fait un grand sourire et il est parti. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Voilà. C'est des grâces. C'est des grandes grâces. Et c'est pas tous les jours qu'on a ça. C'est aussi les encouragements pour avancer, continuer dans le chemin spirituel qu'on a et qui n'est pas toujours facile tous les jours pour aider son prochain. Parce que vous portez tous, c'est très dur pour nous par moments. Et en même temps, c'est aussi des joies de rencontrer tous ceux qui sont dans la peine pour pouvoir apporter une aide, un soutien. Et avoir les grâces aussi des manifestations ou des signes de reconnaissance. On sait tellement que ça peut aider à changer une vie entière à ce niveau-là. À retrouver la foi pour ceux qui l'ont perdu, et en même temps, sachant qu'on va retrouver ceux qu'on a aimés et qu'on aime toujours, qui nous attendent de notre côté. Voilà, Lisa. On va parler un petit peu de médiumnité. Oui, Lisa. Quelle est votre faculté dominante ? Clairvoyance, clairaudience ? Les variantes vont bouger, suivant l'instant, le moment, l'énergie, la fatigue comme on est. Tout est onde, de toute façon. Tout est vibration et onde. Et donc, on est dans des ondes forcément plus ou moins réceptives, plus ou moins ouvertes. Parfois, on est fatigué et on se dit, on va pas y arriver aujourd'hui. Et finalement, c'est là qu'on est le meilleur. C'est pareil, par exemple. Quand je dis le meilleur, c'est une façon de parler. On capte pas. Mais on peut avoir une ouverture plus grande par moment. Puis il y a aussi la symbiose des esprits par rapport au vivant. Parce qu'un esprit peut passer avec un médium plus facilement qu'avec un autre, par exemple. Il faut qu'il y ait aussi affinité. Il faut aussi également, là je vais rentrer dans un jargon peut-être un tout petit peu, qui est lié à toutes nos perceptions, c'est-à-dire le périsprit. Il faut que le périsprit de l'esprit, avec le périsprit du vivant, s'accorde pour pouvoir être dans ce lien, voilà, de fluidité et arriver à avoir ce contact ensemble. Donc le contact, il va se passer par justement la clairaudience. Alors souvent, j'ai fait une différenciation et je le dis souvent, c'est ne pas confondre la clairaudience qui est vraiment extérieure, c'est-à-dire comme si vous me parliez à côté de moi, et ce que j'appelle et nomme moi l'injonction, qui est la voix intérieure de communion télépathique de l'esprit, qui s'impose aussi et qui nous coupe la parole ou la pensée aussi par rapport à l'instant même. Donc c'est les clairaudiences, c'est la vision que j'ai souvent aussi mentionnée, pas uniquement en image fixe qui dure un dixième de seconde et on a que la mémoire, le souvenir de l'image qui va rester, mais parfois avec une telle intensité que c'est tellement vif qu'on peut encore détailler justement le détail très précis qu'eux ils veulent nous montrer par exemple. Et puis il y a ce que j'appelle les noms aussi, le microfilm, c'est-à-dire que je vois des films
des scénettes qu'on veut me montrer justement concernant la vie du défunt ou certaines informations qu'ils veulent me montrer ou qu'ils veulent nous montrer. Voilà. Ben, je résume parce qu'il y a plein de choses encore à dire. Comment le défunt se manifeste-t-il à vous et quels sont les premiers signes de leur présence ? Les premiers signes, ça dépend, ça peut être très bien, assez souvent, mais pas systématiquement, ça peut être également comment ils sont partis. Voilà, ils peuvent se faire reconnaître dès le départ comment ils sont partis de ce monde. Ça peut commencer par ce biais-là, assez souvent, mais ce n'est pas systématique. Ou c'est parce qu'ils vont commencer à évoquer un souvenir en commun avec le vivant, pour se faire identifier aussi. Ou alors, il peut arriver aussi qu'un autre défunt se présente en premier avant que celui qu'on attend arrive. Eh oui, c'est pas toujours comme on veut. C'est comme eux désirent et comme ils ont le droit de venir aussi, parce qu'il y a des âmes qui peuvent venir vraiment auprès d'un sensitif et d'autres qui ne viendront pas avec le même sens, avec le sensitif en question, ou qui viendront qu'un autre médium différent, comme un esprit peut très bien ne peut jamais venir et jamais se présenter. C'est une épreuve supplémentaire pour le vivant. Parce que même moi, il y a des âmes, des êtres qui sont de l'autre côté que j'aime, dont j'ai eu la grâce et merci là-haut d'avoir pu entendre ou voir. Et d'autres, ben, j'attends encore des nouvelles d'eux. Mais je ne demande pas. Je ne demande pas. Si ça doit se présenter à moi, ça sera un cadeau. Merci mon Dieu, mais je ne veux pas demander. Je laisse tranquille, en paix, et si c'est possible. Vous voyez, j'ai perdu mon grand ami, le père Brune, récemment, le père François Brune. J'ai prié pour lui, comme on peut prier chacun de nous pour ceux qui ont la foi, pour nos défunts, bien sûr. Mais à aucun moment je ne demanderai de se manifester ou de donner un signe. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il me donne, lui ou d'autres, un signe. Je préfère qu'ils gardent leur énergie pour d'autres choses plus importantes. Parce que je n'ai pas de mérite, puisque je crois. J'ai la foi naturelle innée. Donc ce n'est pas la peine qu'ils dépensent une énergie particulière, sauf si c'est important pour mon évolution ou quelque chose d'important, évidemment, ça oui. Voilà. Mais la grâce, c'est de pouvoir avoir la foi. Moi, j'ai toujours admiré les gens qui ont la foi sans voir. Que le médium sensitif, le spirit, entre guillemets, ben, il n'a pas à avoir de mérite parce qu'il a les phénomènes de perception de l'au-delà. Voilà. Et j'ai pris tout le temps, Dieu, de garder ma foi jusqu'au dernier souffle, de ne jamais avoir de doute parce qu'il y a des êtres qui ont perdu la foi, des gens, des prêtres, des religieux, des saints. C'est évolué aussi. Hein. C'était ce que Jean de la Croix appelait les nuits obscures aussi. Ces grandes épreuves de l'être. Qui ont aussi une nécessité. C'est très important aussi pour l'être humain de passer aussi par des doutes. Parce que c'est un travail en profondeur qui va s'exercer, qui va commencer à naître en soi. Et certains vont sublimer et transcender cette épreuve-là et pour avancer et être plus fort. Et d'autres, peut-être jamais. C'est possible aussi. Comme des gens, par exemple, qui ont la foi et qui ont une épreuve dans leur vie d'une maladie ou d'un décès, ou des épreuves de vie, et qui perdent totalement la foi, et qui vont la retrouver ou pas dans leur vie, si, par eux-mêmes, ou par des contacts qu'ils auront eus, par exemple, pour les défunts, par exemple, par un défunt qui se manifeste à eux, et là, ça leur donne la foi revient, ou éventuellement par un médium, bien sûr. Alors, dans les médiumnités en salle, oui. Lorsqu'il y a plusieurs esprits qui se présentent, qui décide de celui qui va passer ? C'est le défunt lui-même ou c'est le guide qui choisit ? C'est une bonne question. Alors, personnellement, je parlerai juste à mon nom, à moi. Je dirais qu'il y a par moment, par le vécu, l'expérience, on voit très bien qui s'impose en premier, par un ordre justement chronologique, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, bien sûr qu'il y en a qui veulent passer, des fois à plusieurs, on le sent. Ça peut arriver, ça. Mais il y a quand même une force supérieure qui permet, avec d'autres esprits guides qui vont aider, plus le guide du médium, forcément, pour ne pas le fatiguer aussi, qu'il soit en affinité aussi, le plus possible avec l'esprit, pour pouvoir mieux communiquer, bien sûr. Et moi, la preuve en est de ça, c'est que je vois des fois, il m'est arrivé d'avoir des esprits qui viennent avant de venir en salle publique, dans les transports ou chez moi. Ça m'est arrivé. Oui, qu'on vient de me déranger. Mais bon, ça m'est arrivé qu'ils viennent avant, absolument. Une fois dans un train, je n'ai vu en face de moi, il n'y a personne en face de moi, dans le train, dans le wagon, et qui s'est assis en face de moi. Je l'ai vu en silhouette, bien sûr, hein, pas comme, assis comme je pourrais vous voir, mais translucidement, et me donner un message pour quelqu'un dans l'assemblée. Vous voyez ? C'est arrivé souvent, ça, ou en clairaudience, sinon. Vous voyez ? Donc, il y a de la patience, mais ils le savent. Alors là, je vais vous dire aussi un exemple comme quoi c'est bien organisé tout ça. Parce que
il n'est pas rare, et j'ai encore eu un cas de témoignage il n'y a pas très longtemps à ce niveau-là, d'une personne qui n'a pas vu par exemple une amie ou un proche de famille depuis X temps en arrière, croise cette personne, admettons, on va dire un jeudi ou un mercredi, et cette personne qu'elle croise, une, connaît tout ce qui est lié au contact des esprits par les médiums en public et par exemple en privé, rencontre quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps, qui est en deuil, et lui parle, et lui dit, écoutez, je vois un médium en public, par exemple, dans 3 jours, dans 1 semaine, il n'y a pas de hasard. Et elle va l'emmener. Et j'ai vu parfois aussi dans ce style-là, par exemple, de fonctionnement, voir des personnes qui connaissaient les phénomènes médiumniques, qui ont vu, par exemple, un médium en public plusieurs fois, qui n'ont jamais eu de contact, mais la personne qu'ils ont télescopée en cours de route, c'est qu'elle va venir, elle va venir, elle aura le message pour elle ce jour-là pour elle. Et là, j'aimerais juste faire un petit bémol quand même, une aparté, c'est-à-dire pour dire aux gens que quand vous n'avez pas de contact spirituel avec un défunt en public, il y en a qui viennent à des fois, ils n'ont pas de message pendant très longtemps. Ça peut arriver, ça, ou jamais, ou un jour, ça viendra. Et d'autres beaucoup, ça, c'est le grand mystère de là-haut. Hein. Mais pour ceux qui n'en ont pas, c'est voulu aussi pour pouvoir s'enrichir, se perfectionner intérieurement dans leur foi, enfin, perfectionner c'est pas le mot, mais peaufiner leur foi, développer leur foi, et puis en même temps grandir et évoluer dans leurs questions et interrogations, et jusqu'au jour où eux voudront bien permettre le contact. Donc patience à ceux qui ne l'ont pas des fois. Et justement, quelle est la différence entre une médiumnité privée ou celle en salle ? Alors, en salle, on ne peut pas rester très longtemps, et puis l'au-delà le sait très bien aussi, parce qu'il y a des esprits différents qui veulent passer, ou qui doivent passer aussi, bien sûr. Donc, un temps plus court, et en privé, on peut développer plus longtemps, parce qu'on a plus de temps, et l'esprit, et c'est plus facile peut-être pour lui comme pour nous, de pouvoir être dans cette longueur d'onde. Mais l'essentiel est donné quand même en public, quand même. Mais on peut aller plus loin, bien sûr, évidemment, c'est normal aussi, et se voir comment l'esprit peut passer. Mais énergétiquement parlant, est-ce qu'il y a une différence de sensation, de ressenti ? Sur le plan énergétique ? Oui. Alors, je pourrais dire que quand on est par exemple en public, on peut être en cours de route vidé par une énergie d'une assemblée, suivant les attentes aussi, parce qu'ils nous tirent, ils tirent notre énergie parce qu'ils sont tellement, tellement en demande, vous voyez ? Ou au contraire, d'un seul coup, porté, vivifié par une dynamique incroyable, par eux, mais aussi par l'au-delà. C'est un ensemble de choses, vous voyez. J'ai souvent dit que dans l'énergie, avec en face de soi un public, ou une personne qui, ou des personnes qui viennent à des fois d'autres fois voir un médium, par exemple, vous avez une énergie triangulaire. Donc, il y a en face de nous, il y a le médium et le monde spirituel, l'esprit, les esprits. Donc, c'est cette dynamique triangulaire qui va créer la phase vibratoire d'harmonisation pour arriver à être ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux gens de se détendre, de ne pas être crispé, d'essayer. Parce que des fois, on est tellement en demande quand on va voir quelqu'un qu'on peut imaginer qu'il y a le stress, et puis on le voit bien de toute façon, l'attente que les gens ont. Donc, c'est tellement important pour eux, c'est un rendez-vous. Hein, c'est un rendez-vous d'amour, je veux dire, même à la limite, presque. On va dire ça comme ça. Hein. Donc, c'est important pour eux, donc ça prend de l'énergie, oui, mais parfois on est vraiment épuisé et parfois vivifié, mais vraiment, vraiment, extraordinaire. Et parfois il y a des esprits tellement marrants qu'on rit avec eux. Parce que sur Terre, ils étaient comme ça. C'est leur façon d'être qui correspond à ce qu'on appelle le corps mental. Parce que le corps mental, à différentes phases de notre vie, eh bien, l'autre côté, on le retrouve. C'était bon comme le mauvais, hein. Donc il faut du temps pour l'âme de se dégager de ce qui est négatif de notre personne pour l'évolution, à proprement dit, comme on dit, pour aller plus loin et se dégager des choses, des scories de la vie négatives. Hein. Et se pardonner à eux-mêmes et pardonner... On ne va pas rentrer dans le détail, ça va être trop long à ce niveau-là. Dans le karma, entre guillemets. Aussi. Justement, est-ce que vous avez rencontré des esprits qui étaient désagréables, soit avec des consultants ou avec vous ? Ah, consultants ? Oui. Bah, sauf si c'est quelqu'un qui veut régler ses comptes. Si c'est quelqu'un qui veut régler ses comptes, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Quelqu'un qui profite, alors que la personne ne vient pas pour cette personne-là, mais qui profite pour rappeler quelque chose du passé. Ou alors le contraire, quelqu'un qui n'est pas attendu, qui vient pour remercier ou s'excuser. Vous voyez ? Une fois, j'ai eu par exemple une dame qui venait pour un membre de sa famille, et vient à moi
ce qu'on appelle aujourd'hui un SDF, mais à une époque passée, plus loin, c'était ce qu'on appelait les clochards, vulgairement parlant. Bon, alors je parlais plus de l'époque, c'est mon clochard, entre guillemets, que SDF par rapport au timing de l'époque des faits que je vous raconte maintenant. Et en fait, il venait remercier la dame en face de moi parce que souvent, elle lui apportait ou des choses pour l'hiver, pour dormir, ou à manger. Enfin, elle a souvent aidé de temps en temps quand elle pouvait, cette petite dame. Et comme il était parti de l'autre côté, il venait la remercier. Voilà les cadeaux aussi merveilleux. Mais en même temps, il y a des êtres qui sont pas contents et, ou alors en souffrance, malgré qu'ils sont partis depuis pas mal de temps. Ça peut arriver aussi, il faut savoir. Mais une chose qui m'a marqué terriblement, mais vraiment marqué, comme tant d'autres choses qui peuvent aussi marquer nos expériences humaines, comme on dit dans ces rencontres, hein. C'est un jour une petite dame qui venait pour âgée de 80 ans environ, 80, oui. Elle venait pour sa famille, pour une clairvoyance. Une bonne maman, une bonne grand-mère qui s'inquiète pour eux, quoi. Et puis, s'impose à moi, d'un seul coup, une silhouette que je pense être son père ou son grand-père, mais il me semblait plus être le papa, par rapport à ce que je voyais, semblait comprendre. Elle me dit, oui, c'est mon père. Et les gens qui me connaissent, qui m'ont vu pratiquer chez moi, je ferme toujours les yeux, et j'aime bien être dans la pénombre chez moi pour travailler. Et je baisse souvent la tête pour être en osmose, et je regarde un tout petit peu les gens de temps en temps, quand même, je lève la tête, mais j'aime bien être... recentrer sur moi-même et puis le monde des esprits avec moi pour le travail comme ça en commun. Et là, elle me dit oui, c'est mon père. Je ne la regarde pas pour l'instant, je suis vraiment tête baissée. Et là, il y a différents détails encore qui s'ajoutent comme quoi c'était bien lui. Et là, d'un seul coup, j'entends une clairaudience de lui, de l'esprit. Et là, j'ai demandé à plusieurs reprises parce que j'ai dit c'est pas possible, parce que je comprends bien ce qui m'est donné d'entendre à l'instant même. Et l'esprit de me dire je veux qu'elle me pardonne. Pour l'abus sexuel. Je veux qu'elle me pardonne pour l'abus sexuel. Et là, je vois cette femme devant moi, vous imaginez bien, en larmes, mais en larmes, elle s'écroule. C'est vraiment, là, elle me dit, mais monsieur, mais ni ma famille, mes frères et mes soeurs, ni mes parents, ni mon mari, ni mes enfants ne savent le drame que j'ai vécu pendant plusieurs années avec mon père dans les abus. Elle est toujours tue, cachée, ça au fond d'elle-même, vous rendez compte, c'est grave. La souffrance qu'elle a dû avoir toute sa vie et ne rien dire. Et là, il a été permis à son père de venir demander pardon. Ce qui montre que l'âme n'était pas bien dégagée, montée non plus. Moi, ma question personnelle va être celle-ci après. Pourquoi c'est permis maintenant? Que c'est maintenant que l'âme va pouvoir profiter d'un médium. Ça, c'est voulu par l'au-delà. Ce qui voudrait dire, dans ma réflexion personnelle, que cette femme-là en question, elle a dû vivre pendant beaucoup d'années avec ce fardeau, avec la grâce qu'un jour, qu'elle soit délivrée en partie par rapport à ce père qui demande pardon. Sinon, ça serait fait forcément là-haut, dans l'au-delà, plus tard, tôt ou tard, de toute façon. Et puis l'esprit qui a subi ça, forcément, ça peut lui prendre du temps ou pas pour pardonner, bien sûr. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a des esprits qui vous ont déjà fait peur? Oui, Lisa. Je ne souhaite pas aux gens d'avoir vécu ce que j'ai pu vivre parfois avec des attaques. Mais j'avais été prévenu très jeune, enfant. Je ne le comprenais pas tout à fait. Et en même temps, je consentissais quelque chose qui n'était pas tout à fait positif parce que j'avais des rêves... Non. J'avais un rêve très, très récurrent. Tout le temps le même. En fait, ce rêve qui a duré beaucoup d'années, je dois dire, qui était plutôt un cauchemar, on va dire, je me voyais monter, gravir une montagne et j'étais presque au sommet, arrivé. Et autour de moi, impossible d'aller plus loin parce que j'avais une forme fantomatique, on va dire, noire, qui tournait comme un tourbillon en entité, mais vraiment négatif, qui ne voulait pas que j'avance plus loin. Et je me réveillais à chaque fois comme ça. Et comme j'avais mes phénomènes médiumniques depuis assez jeune, enfant, je comprenais que c'était des forces contraires. Mais quand j'ai eu mon premier phénomène d'attaque, très jeune du reste, le rêve a complètement cessé, le cauchemar a cessé. Donc j'ai compris que c'était en lien avec ça. Et après j'ai eu une succession bien sûr de manifestations terribles, parfois aussi difficiles, qui déstabilisent. C'est là qu'il faut avoir une foi énorme pour contrer ces attaques-là. Alors quand je dis attaque, c'est vraiment physiquement, clairaudience aussi, on prie à l'envers à l'oreille, je raconte plein de choses comme ça par exemple,
des coups dans le matelas, comme des serpents dans le matelas aussi, pour pas que je dorme. On parlait à l'oreille, sur l'oreiller, par le bruissement de l'oreiller, quand on moussait un tout petit peu, ça fait un bruissement des fois. Il servait même du support de ça pour faire un son pour parler, vous voyez? De tous les supports. Ou dans la pièce, bien sûr, ou alors on me sautait dessus pour m'étouffer, voilà, en me disant des phrases, de toute façon, je ferai tout pour t'empêcher d'avancer. Enfin, que des choses comme ça. Mais voilà, bon, après, ça a trop long à expliquer tout ça, puis je ne vais pas faire peur non plus aux gens, parce que c'est. Voilà. Hein. Mais après, j'ai d'autres choses plus fortes au niveau attaque, mais je ne vais pas en parler ici, qui sont vraiment dures. Et comment Voilà. vous expliquez ça? Vous pensez qu'il y a une raison? Oui, évidemment. Plus l'être humain va vers une conscience spirituelle d'éveil et essaye un petit peu de travailler sur lui-même, comme on dit, on n'est pas des saints, évidemment, et plus pour ceux qui ont une mission, entre guillemets, hein, d'aider son prochain, et aussi par le biais du spirituel et du monde des esprits, bien sûr, eh bien, on a ces grâces, mais en même temps, ben, ça gêne les forces contraires qui veulent nous engluer, nous amener vers les forces contraires du mal. Du mal, ça peut. Peut-être un peu catho, ce que je dis, mais enfin, en tous les cas, va les forces négatives pour nous amener justement à ne pas nous spiritualiser, pour nous ancrer justement vers nos désirs vils, etc. Voilà, tout ce qui devrait être corrigé par chacun de nous à notre mesure et comme on peut. Mais c'est vrai que certains médiums n'ont pas d'attaque, hein. Tout le monde n'a pas des attaques, mais certains en ont. Alors, il y a une phrase que disait François Brune, il disait. Ah, je dis, t'es bien gentil, François. Il me disait, c'est bon signe, Henri, c'est que tu fais du bon travail. Je dis, t'es bien gentil, mais je m'en passerai bien. Voilà. Est-ce qu'il est plus facile pour un esprit de faire des signes ou de passer par un médium? Ben, tout dépend de la canalisation qu'ils vont pouvoir transmettre. Enfin, non, comment le vivant, on va dire, dans sa propre canalisation, va pouvoir recevoir l'esprit. En fonction de son désir de s'imposer et de se manifester. Des âmes savent comment faire, d'autres ne savent pas trop comment faire. Donc ils se font aussi aider par des esprits à côté, et qui vont les guider aussi, à ce niveau-là. Alors plus facile, ce n'est pas le mot exact, parce que c'est du cas par cas, il n'y a pas de règles, et il y a des règles aussi, forcément, tout est mélangé, dans le subtil, comme on dit. Mais certains auront des signes plus forts que d'autres. Alors. Là, je vais mettre en garde aussi, j'aime bien votre question aussi, Lisa, parce que je mets en garde les gens qui voient des signes partout. Voyez des signes intelligents, ceux qui sont probants, voyez? J'ai cité dans mon livre justement un signe pour faire comprendre aux gens un peu ce que ça peut être, un signe de probant et de reconnaissance, où un jour j'avais fait une prestation publique médiumnique dans la ville de Caen, en Normandie, et j'étais fatigué un peu là, et le lendemain. J'allais rejoindre mon ami qui est libraire là-bas, et on allait après passer la soirée ensemble faire un dîner, comme on dit. Il avait plu, donc le sol était mouillé forcément, et je passe sur une place où il y a des stationnements de voitures en parking, sur un parking, pardon, en épi. Et une voiture s'était désengagée là, qui était partie de là pour pouvoir rouler, partir ailleurs. Donc moi, je passe là, à l'emplacement justement où la voiture était partie. Et par terre, ah oui, pardonnez-moi, avant d'arriver là, en marchant, j'étais fatigué et je disais là-haut, mais aidez-moi, donnez-moi un peu de force énergétique que je puisse me redynamiser un petit peu. Et pourquoi, d'un seul coup, la vision de mon père, la vision de mon papa qui est parti en 94, s'est imposée à moi. Alors je ne pensais pas à lui, bon bref, j'ai dit, ben écoute, ok, tu me donnes un peu de force, j'ai dit, bon, je prends. Et en marchant, arrivé à cet emplacement où la voiture s'est désengagée du parking, je vois par terre une carte, une grande carte, double face, on va dire, qui est martelée par une roue de voiture et mouillée aussi parce qu'il avait plu. J'ai dit, tiens, j'ai eu envie de la prendre entre les mains, de l'ouvrir. Je l'ouvre et dessus, il y avait écrit, je pense à toi, je t'aime, et signé en bas comment? Jojo. Mon père s'appelait Georges et tout le monde l'appelait Jojo. C'est ça, signe et guidance de l'esprit. C'est là que je vous donne. Ces faits-là pour comprendre comment les vrais signes sont là. D'autres vont avoir des manifestations qui peuvent faire peur ou pas. J'ai connu des gens qui ont vraiment peur parce que leur vie est bouleversée, parce qu'ils ont eu des phénomènes physiques, hein, déplacement d'objets, des rapts. Voilà, parce qu'un défunt est parti, un proche. Il y en a un, j'ai connu une famille dont le mari est parti, l'époux, et les deux enfants qui ont 23 et 21 par là.
La dame ne croyait en rien, mais depuis que son mari est parti, eh bien, elle croit à beaucoup de choses. En plus, elle m'a rencontré, donc elle a eu des contacts. Mais en fait, il déplace les objets, ou un meuble se déplace. Enfin, il y a eu plein de phénomènes avec témoins aussi, pas qu'avec elle et ses enfants. Donc, moi, en contact avec l'esprit, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, ils ont compris, parce que en fait, l'esprit crée ces phénomènes-là pour dire je suis vivant. Il ne sait pas qu'il était mal, l'esprit, c'est qu'il lui a montré je suis vivant. Et là, ben, je lui ai dit, ça s'est calmé. Ils sont revenus quand même plusieurs mois après parce que ça a recommencé un peu, pas autant. Alors, j'ai recommuniqué avec l'esprit, c'était fini. Faut leur dire là-haut. Pour vous, est-ce qu'il y a un temps limite pour contacter un esprit? On dit tous qu'on préfère attendre un peu quand même qu'il y a tant de dégagement, qui prend plus ou moins de temps, ou de conscientisation en tous les cas, 3 mois, comme on dit, 4 mois. Moi, je dis que si on peut attendre 6 mois, c'est encore mieux. Et pourquoi, comment? On voit bien en public ou en privé que quelqu'un qui spontanément vient, qui est parti la veille ou le jour même. J'ai eu ça dans ma vie. Un esprit qui a besoin de témoigner, comme ce qu'on appelle également la manifestation spontanée. Moi, j'en ai vécu, des êtres proches qui sont partis et qui viennent me dire au revoir. Et que j'apprends, ou je vois en journée ou la nuit, et qui viennent me dire au revoir, quoi. Et que j'apprends leur décès, alors qu'ils ne sont pas forcément malades. Ça peut être un accident, ça peut être toutes sortes de raisons, hein, qui apparaissent devant moi ou en clairaudience. Et j'apprends après. Donc, d'autres qui viennent aussi, comme j'ai pu voir en consultation, donner un message, ils sont conscients, mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir après les contacter tout de suite. Ils ont une conscience spirituelle, mais ils doivent attendre, parce qu'il y a un temps de repos, un temps de passage aussi de l'autre côté pour passer à d'autres étapes, on va dire. Donc ne pas les déranger au départ, mais les invoquer, non pas les invoquer, mais prier pour leur âme et leur sérénité et leur paix et leur compréhension de l'état nouveau spirituellement de leur esprit, bien sûr, où ils sont. Et après plusieurs années, il n'y a pas de limite pour les contacts. Alors, c'est vrai que plus le temps passe, plus c'est dur. Et pourquoi, parfois, moi, il m'est arrivé d'avoir des esprits partis un siècle en arrière. Je ne vais pas raconter là un détail qui serait trop bien expliqué, mais j'ai eu Farinelli, extraordinaire, une dame qui venait me voir pour des problèmes de voyance, de vie, pardonnez-moi, qui venait me voir pour des problèmes factuels de la vie, en voyance. S'impose à moi Farinelli. Enfin, je ne sais pas que c'est lui. Parce que j'entendais des sons aigus, alors les sons étaient un peu longs. Et après, je me retrouvais à l'époque des rois. Et bon, tout un cheminement dans lequel il m'a entraîné en microfilm et en clairaudience, par fragmentation. Et la dame émue m'a dit, je dis, est-ce que vous comprenez au départ? Parce que je suis déstabilisé moi aussi. Et elle me dit, mais continuez. Je dis, oui, je continue, mais je voudrais bien savoir si vous comprenez. Elle me dit, oui, je comprends parfaitement, je vous dirai ça après. Et en fait, cette dame-là, son compagnon est le descendant de Farinelli. C'est extraordinaire, ça. Voilà. Alors voilà, il y a une histoire, et en fait, dans les archives, et dans le message que j'ai pu recevoir, ça correspondait aussi à ce que lui pensait dans sa famille, qui n'a pas été dit dans les médias et dans tout ce qu'on a pu savoir sur Farinelli. Alors je vous donne un détail comme ça, mais bon. Comme quoi, bizarrement, ils peuvent venir aussi très longtemps après. Voilà. Comme aujourd'hui en salle avec Edith Piaf qui est partie à très loin par rapport à la dame, oui. Et d'après vous, comment les esprits savent-ils qu'une personne est médium ? Je ne sais pas, je ne sais pas là où d'abord encore, mais je pense que c'est des affinités spirituelles qui permettent de... C'est les ondes, hein, déjà, où ils voient qu'il y a une perméabilité, et puis il y a des esprits autour qui entourent, qui font comprendre que voilà, c'est par ce biais-là qu'on peut passer par tel sensitif, par exemple. Mais je n'aurais pas la... Comme on a des missions, on a des chemins de vie, donc là-haut, ils le savent, pas de même, on les informe à ce niveau-là. Voilà. Mais il y a forcément des âmes qui les guident vers les sensitifs pour pouvoir justement, ceux qui ont une évolution importante, hein, et des guides, comme on dit, des esprits guides, qui vont aider ceux qui en ont besoin. Alors, ceux qui en ont besoin ne se rendent pas toujours compte qu'ils ont un guide ou des guides à côté d'eux, et d'autres en ont conscience, voyez, ou des esprits de famille, par exemple, aussi. Alors, je n'ai pas d'autre explication à vous donner, c'est qu'ils le savent eux-mêmes, parce que c'est la communion des âmes, puisqu'on est tous reliés. Donc on est reliés à vos subtils des esprits, quoi. Il n'y a pas d'autre définition. Mais bon, quand on sera là-haut, on comprendra beaucoup plus que les mots qu'on peut avoir sur Terre qui sont tièdes et qui sont insipides même, parce que c'est plus subtil que ça. Vous pensez pas qu'il y a une différence énergétique que les esprits perçoivent? Ah si, bien sûr. Évidemment, il faut qu'il y ait affinité. Ils sont guidés d'eux-mêmes? Certains peuvent avoir cette oui, comme vous dites, énergétique, c'est ça? Oui, bien sûr.
façon, tout est énergie. De toute façon, il faut qu'il y ait empathie vibratoire avec le vivant pour pouvoir communiquer ou donner un signe, évidemment, il faut qu'il y ait empathie. Mais même quelqu'un qui n'est pas... On ne parle pas de médium qui reçoit ou qui consulte, hein, par exemple, ni en public ni en privé. Mais même quelqu'un qui n'est pas forcément empathique avec un esprit peut attirer un esprit qui aura besoin de cette personne-là. C'est pas une empathie, là. C'est comme une intrusion, mais c'est dans une énergie autre et particulière aussi, quelque part. C'est un peu le contraire de ce qu'on a dit à l'instant, mais c'est quelqu'un qui veut s'imposer, qui peut suivre quelqu'un ou qui en a besoin, vous voyez, alors que la personne n'a pas du tout envie d'avoir un contact là. Au départ, oui, croyant ou incroyant. Hein. Pourriez-vous nous expliquer, d'après votre expérience, le processus de mise en connexion avec un esprit ? Waouh, c'est dur, c'est votre question. Le processus énergétique. Florence Hubert m'avait expliqué qu'elle sentait des connexions, par exemple, dans le plexus solaire et dans le chakra coronal, par exemple. Ah oui, ça... C'était un processus qui expliquait. Est-ce, vous, par votre expérience, est-ce que vous avez, vous, une explication, une sensation, comment vous vivez ça ? Alors, j'ai la sensation parfois de la densité subtile d'un corps astral qui se balade dans la pièce ou à côté de moi, ou parfois, comme j'ai dit au départ de l'interview, que parfois il m'arrive d'avoir l'esprit qui veut me faire comprendre comment il est parti. Bon, ça peut arriver, c'est pas systématique, mais ça peut venir plus tard aussi, hein, au cours du contact. Plexus solaire, ça peut arriver, bien sûr, évidemment, mais moi, je dirais plus, me concernant, c'est plus l'énergie de l'éther, mon éther avec l'éther d'esprit, où il y a une particularité où je me sens différent, voilà. Et à ce moment-là, cette différence m'amène à dire que je suis dans une connexion. Et là, je me laisse après envahir ou pas, par celui qui veut venir. Mais bien sûr, je suis disponible comme instrument, comme on dit, hein. Voilà, pour ceux qui ont besoin. Et là, je sens cette vibration qui vient vers moi, comme un double qui essaie de s'interpénétrer. Ça peut arriver, ça. Ça peut débuter comme ça. Ou parfois, pas encore, seulement par flash ou microfilm. Et après, l'esprit, au fur et à mesure. Et quand je parle avec les gens, par exemple, l'attention de l'esprit me coupe la parole aussi. Ça, j'adore quand il coupe la parole. J'adore également quand il me donne des informations que je ne connais rien du tout sur un bled, sur un nom scientifique, il faut prendre le dictionnaire. J'adore ça. J'ai appris des trucs à des fois incroyables. Vous avez déjà vécu des incorporations quand même ? Oui, mais plus jeune. Oui. Puis j'ai travaillé dans un groupe très jeune aussi, qu'on dit cardiaciste. Tous les lundis, pendant 2 ans, j'ai aussi des initiations aussi pour comprendre aussi ce qu'eux pouvaient enseigner. Bon, je n'ai pas beaucoup plus appris parce que j'avais déjà des choses. Bon, humblement, je reste humble quand même, mais j'avais quand même lu Kardec déjà avant. Mais bon, ça m'a quand même apporté aussi ces phénomènes d'incorporation en groupe, parce qu'au moins c'était guidé, c'était dirigé en petits noyaux, mais avant de faire ces incorporations, il fallait d'abord assister pendant au moins 1 an assidûment pour pouvoir voir si on pouvait continuer et si vraiment on avait envie, pas envie, mais si on était assidu sur le plan spirituel pour pouvoir justement assister plus tard aux incorporations et après en faire si jamais on devait en faire. Bon, j'en ai fait il y a une époque de ma vie, mais ça m'est arrivé aussi chez moi. Alors chez moi, il m'arrive plutôt de faire ce que j'appelle moi plutôt des micro-incorporations. C'est-à-dire qu'il m'arrive que, encore récemment, les gens me disaient, mais la dernière fois que je vous ai vu, un tel est venu avec vous, et vous avez eu la même phrase, le même mot, le même geste. Là, voilà, c'est des signes de reconnaissance par ces micro-signes que l'esprit donne. Le même mot, ou le même phrasé, ou la gestuelle. Parfois, il m'arrive de me lever pour montrer le geste que me fait faire l'esprit. Et là, il dit, oui, c'est lui, bien sûr, c'est elle. Ça, c'est extraordinaire. L'intention qui prouve la reconnaissance. Et là, dans l'interview, si vous me permettez, je voudrais juste faire un petit bémol aussi, quand même, signaler une chose. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui... Ben, je comprends, tout le monde a besoin aussi d'apporter son soutien et une aide spirituellement, et heureusement, c'est bien. L'être avance quand même vers cette dimension aussi de quête, et que c'est important. Mais on voit beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du passeur d'âme. On parle beaucoup de ça. Bon, ça a toujours été... Il y a des textes aussi anciens qui parlent de ça, hein, justement pour aider les âmes à passer de l'autre côté, à se dégager. Bon, heureusement qu'il y a des aides de l'autre côté. Il n'y a pas que le vivant, mais il y a des aides aussi. Mais tant qu'il y a des vivants, ça peut aussi aider le défunt qui n'est pas dégagé entièrement
voilà, au niveau du corps mental, etc. Eh bien, si vous avez affaire à des gens qui vous parlent « je suis passeur d'âme, je suis passeur d'âme », s'il vous plaît, que ces gens-là qui disent ça aient au moins des signes probants de reconnaissance du contact des défunts. Au lieu de dire « madame ou monsieur, votre maison est dégagée, j'ai fait passer de la lumière, c'est fait, c'est fait ». Ça, pour moi, c'est du pipeau, excusez-moi. Ça me met un peu en colère et je tiens à le dire. Parce que moi, je tiens vraiment à ce que les gens puissent voir à la véracité que de quelqu'un médium a le contact sensitif pour prouver que c'est bien un esprit avec les preuves, si on peut quand même, c'est important, avant de dire « j'ai dégagé l'âme ». C'est trop facile. C'est mon avis personnel. Hein. Mais ça me met un peu en colère. On va parler un peu du guide, sujet qui intéresse beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous connaissez votre guide, vos guides ? Alors, un seul. Plusieurs que j'ai vus en silhouette très jeune, comme j'ai raconté dans ce livre, justement, en décorporation, puisque très jeune, mon guide, la première fois qu'il s'est présenté à moi, hein, la première fois que j'ai pu le voir, entièrement, je parle. Hein. Après, il m'a accompagné en décorporation, je voyais sa main translucidement, et puis il me parlait pour me guider dans l'astral aussi. Mais là, c'était, je rentrais d'un dîner chez des amis, et chez mes parents, en vacances, et au moment de me coucher, j'entends une musique que je ne pourrais pas décrire, impossible à décrire, tellement merveilleuse spirituellement. Et plus je me laissais aller, et plus je commençais à me décorporer, et plus je me rétractais, que je ne voulais pas, ben, je revenais dans le corps, si vous voulez. C'est au moment où j'ai entendu « viens ». Première fois, j'entendais mon guide, très jeune, j'avais 22, 21, qui me dit « viens ». Et là, j'étais happé hors du corps, mais sans résistance, c'était impossible, quoi. J'étais conduit dans une grande vitesse d'un tunnel, bien sûr, ça c'est connu, ça. Et là, je suis arrivé d'un endroit mais extraordinaire de lumière, de beauté, que je ne peux même pas décrire, c'est impossible. Et j'ai vu, allongé sur le sol, qui n'est pas un sol, forcément, devant moi, des êtres de lumière dont je pouvais les voir que, comme à plat ventre, si vous voulez, et les voir allongés comme ça. Le visage, on va dire, regardant une lumière de Dieu, une lumière divine d'amour. C'était, et des chants qui venaient d'eux. Et sur ma droite, un être là, debout devant moi, une grande radiance, une grande lumière qui m'a fait un grand sourire. Et j'ai compris, dans l'instant même, dans ce qu'on appelle la reconnaissance de l'âme, que c'était ce guide que j'avais déjà entendu à plusieurs reprises dans ma vie avant, très jeune. Et là, il m'a ramené dans mon corps physique, parce qu'il m'a dit « viens », après aussi pour le retour. Enfin, il m'a dit un autre mot, c'est pas ça, c'est autre chose. Il m'a dit un mot pour me ramener dans le corps physique. Et après, dans ma vie, s'en est suivi des décorporations, il m'entraînait, il m'a montré des choses, il me disait des choses, forcément. Et puis après, dans les contacts, bien sûr, au quotidien, pour aider les gens de temps en temps. Oui. Est-ce que vous avez des signes de reconnaissance avec lui ? Avec lui, le guide ? Non. Non. Pas besoin. Bon, il y a un grand médium américain, James Van Praagh, qui dit que son guide, souvent, il lui tape un peu sur lui. Moi, jamais. Non, moi, jamais. Il intervient en clairaudience pour m'aider, pour moi, dans ma vie, sans que je demande, ça peut arriver. Et j'ai un guide, par contre, que je ne sais pas qui c'est, depuis quelques années, qui vient de temps en temps, c'est le seul, je dis bien, qui me vouvoie. Le seul esprit qui me vouvoie. Je ne sais pas. Enfin, ça m'est arrivé ici une autre fois, étant plus jeune, une seule fois, un esprit qui était venu. Mais cette entité-là, je ne connais pas, dans ma vie, depuis plusieurs années, vient à l'occasion pour me donner un message en me vouvoyant. Je ne sais pas pourquoi ce vouvoiement, par contre. Souvent, on entend le tutoiement plus facilement. Mais pour les signes. Non, je n'ai pas de tapotement de l'épaule. Il s'impose à moi par la clairvoyance. Et comme je connais sa vibration, je la reconnais. C'est comme si on était en face des grands amis de longue date. On se connaît, quoi, on se reconnaît, quoi, c'est ça. Voilà, Lisa. Je voulais parler aussi un peu de la TCI. On vous a vu dans des documentaires, justement, avec Yves. Entre autres, oui. Le Père Bruy. Exact, chez sa sœur, oui, bien sûr. Chez Claude, chez Clairette. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la TCI en tant que médium ? Je trouve ça formidable, parce qu'il y a de très nombreuses années qu'ils avaient dit, par d'autres médiums, par écriture et autrement, nous viendrons par le son et les images. Ils l'avaient dit à l'époque, vous voyez. Et en fait, j'avais fait plein d'expériences aussi avant que M. et Mme Blangarin créent leur association.
Je les avais rencontrés chez des amis en commun. Ils commençaient leur recherche. Leur association n'était pas encore créée. Bon, ça remonte, moi, déjà. Ça remonte déjà, il y a pas mal d'années que je suis dans ce service, comme on dit aussi. Et en fait, on avait fait des expériences avec une caméra, vous savez, sur une télévision, en sans fin. Voilà. J'ai mis un temps de préparation. Et ensuite, en mettant mes mains autour, j'ai demandé, bien sûr, j'ai invoqué. On a eu des choses, des visages, des tas de choses qui sont venues. On s'est perdu de vue, ils ont créé l'association et on s'est vu beaucoup d'années plus tard. Et je leur ai rappelé les faits. Ils ne se souvenaient pas que c'était moi le médium qu'ils avaient rencontré, parce qu'après j'ai évolué, mais ils ne savaient pas que c'était moi, Vinnie Henri, qui m'avait rencontré étant jeune. Mais ils m'ont dit après, ben, on s'est servi de cette vidéo pendant des années en public pour montrer les images. J'ai dit sympathique, j'aurais bien voulu les voir aussi, moi les doubles. Mais c'était sympa, moi ça a pu apporter une aide aussi, c'était bien le début pour eux. Vous en avez fait seul aussi? Ah, tiens, tiens. Ah, c'est bien, oui. J'en ai fait rarement, je dois dire, mais une fois, j'en avais fait une il y a très longtemps, peut-être année 2000, début 2000. J'ai un magnétophone aussi, un ralentisseur de voix. Hein, et j'avais pris comme support bah, mes doigts qui frottaient le bureau, quoi. Le plan du bureau dessus, le bois. Et j'avais la photo de mon père avec son chien, un beau berger allemand de couleur blanc, magnifique, et qui était adorable ce chien-là. Et je demande à mon père s'il peut se manifester, s'il peut communiquer quelque chose. Et d'une netteté, sur l'enregistrement, mon père me dit: Je viens donner des nouvelles de Prince. Une grande phrase. Grande phrase. De Prince, le prénom du chien. Alors je lui demande des nouvelles de mon père, il me donne des nouvelles de son chien. Et puis pas de nouvelles après, plus de contact, plus rien du tout. J'ai pu entendre et réentendre la cassette et j'ai pu la faire entendre à ma famille. Et à un moment donné, plusieurs mois après, c'était calé, ben c'est moi numéroté, vous savez comment ça se passe. C'était effacé, il n'y a plus rien. C'était fini. Ils avaient retiré. Et j'ai refait, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, parce qu'il y a une autre amie qui est décédée, qui s'est fait incinérer, qui était bouddhiste. Pour ne pas citer, pour ceux qui la connaissent, c'était une amie de longue date, c'était Anne Nasser, une médium assez connue, qui faisait aussi beaucoup de prestations aussi en public, aussi depuis très longtemps. J'ai fait avant son incinération, je ne sais pas pourquoi, alors que je n'avais pas l'habitude de faire ça, j'ai éprouvé le besoin de faire une TCI, alors que j'en fais jamais, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon univers, vous voyez, alors que je n'en ai pas fait depuis des années. Mais il y avait une raison en fait à ça, c'était l'esprit qui me poussait à le faire. Et j'ai dit à Anne, est-ce que ton passage se passe bien? Parce qu'elle n'était pas encore incinérée hein, quand même, hein. Ça se passe bien. Et elle me dit, j'ai laissé des papiers. C'est la seule phrase que j'entends. J'ai laissé des papiers. Je rencontre une personne les jours qui ont suivi, qui s'occupait de ses affaires. Je savais qu'elle avait une de ses amies, mais qui, je ne sais pas. Et elle me dit, je ne trouve pas de papier, je ne trouve pas un testament, je ne trouve pas, je trouve rien que. Et sa famille demande aussi, et on cherche partout ce papier. Qu'elle avait dit qu'elle avait laissé à jour, à cette dame-là. Et elle me dit ça, je n'étais pas au courant. Maintenant, je ne sais pas la suite, par contre, je rappelle cette dame. Vous voyez la préoccupation que l'esprit avait de l'autre côté pour la famille, pour la dame qui cherchait son ami aussi, qui s'occupait de ses affaires, par exemple. C'est formidable. Là, c'était vérifiable dans l'instant aussi, dans le besoin que l'esprit avait. Vous voyez? C'est ça. Après, j'ai réessayé pour voir de faire des petites TCI, mais pas souvent, hein, c'est assez rare. Hein. Bon, des petites choses. Une fois, j'avais envoyé à Yves des phrases. Ah, j'avais des TCI spontanées, par contre, naturellement, sur mon ancien répondeur à cassette, avant le numérique. Un jour, vous savez, comme tout le monde, j'écoutais les messages, j'étais assis à mon bureau, je notais les noms, les rappels, mon téléphone. Et à la fin, quand il n'y a plus de messages, vous avez sur cette bande à l'époque, on entend le raccrochement du téléphone à l'époque, et après cette bande plate, il n'y a plus rien, c'est un son, il n'y a plus rien. Je me lève à ce moment-là pour aller éteindre et rembobiner et puis effacer. Au même moment, je marchais. Sur le défilement, c'était après les enregistrements téléphoniques, hein, sur une bande vierge, on va dire, c'est après. J'entends « Tu vas bien, Henri ?» C'est en direct. J'ai réécouté, c'était pas enregistré, ils se sont servis en direct.
Voilà. Et une autre aussi qui était restée aussi d'un message aussi, après un message aussi sur mon répondeur aussi, que j'ai gardé, par contre, je l'ai encore. Sans réserve. Oui. On va parler des rencontres. Je sais que vous étiez un grand ami du Père Brune, bien sûr. Oui. Vous pouvez nous raconter comment vous l'avez rencontré? Oh ben, tout simplement en public. Hein. Vous savez, j'ai eu la trouille de ma vie de voir un prêtre, théologien, d'un savoir et une connaissance en conférence qui fait que, bon, quand il restait assisté à vos bénédictions, ben, on n'emmène pas large quand on est très jeune. Parce que j'ai connu il y a 32 ans, on n'a rien, moi. Après, je suis un ami depuis plus de 30 ans maintenant, François. On s'est rapproché assez rapidement et vraiment, c'est un ami très fort. Beaucoup d'amour entre nous et j'allais souvent le voir chez lui, on passait des moments ensemble, on s'appelait souvent ensemble, on s'appelait souvent, pardonnez-moi, des moments, mais on pleurait ensemble quand on parlait de spiritualité, de Dieu, de l'amour. Au restaurant, les gens devaient nous regarder de temps en temps parce qu'on avait les larmes aux yeux, vous voyez. Et quand François, après, je l'ai accompagné chez lui, par exemple, si elle était sortie, pas systématiquement, mais si elle était sortie à l'extérieur, et que je le ramenais après chez lui, je restais un petit peu de temps avec lui à bavarder dans son tout petit studio de 18 mètres carrés. Tout petit. Il avait un petit lit comme une cellule de moine, vous voyez. Et plus de 3000 livres quand même hein, sur les murs. Hein. Voilà. Et là, quand on rentrait, il avait toujours deux icônes. Parce que c'était un grand, grand érudit et il adorait les icônes. C'était un passionné d'iconographie. Il avait deux icônes très anciennes et extraordinaires, de la Vierge et du Christ. La première était celle à droite quand on rentrait de la Vierge, éclairée par des cristaux de roche, et par une lumière en dessous qui donnait une lumière particulière tamisée sur ces icônes quand on rentrait. Donc la lumière tamisée sur les icônes, vous voyez. Ça appelait à la prière, à l'intériorisation, vous voyez. Et quand je rentrais, comme bien souvent, on parlait des choses spirituelles, bien sûr, aussi, d'autres choses parfois aussi, bien sûr. Mais là, la dernière fois que je l'avais vu chez lui, après, avant qu'il rentre à l'hôpital et tout ça, il pleurait. Je l'avais invité pour son anniversaire au mois d'août, avec un ami, Alain, et Alain Cogent, pour le pas nommer, qui est assez connu dans la restauration, bio, voilà. Et là... Eh bien, on a mangé ensemble, parce que François adorait les langoustines, donc on lui a fait plaisir, il a mangé des langoustines pour son anniversaire au mois d'août le dernier. On était tous les trois. Et après, je l'ai revu, donc après, et donc chez lui, en rentrant devant ces icônes, il me dit, en parlant de la Vierge, les larmes aux yeux, il pleurait. Il me dit, regarde comme elle est triste pour nous. Regarde comme elle est triste pour nous. C'était extraordinaire. C'était un homme qui était plein d'amour. Mais vous savez, il m'est arrivé en public, quand il y avait quelques séances de contact, parfois assez fort, émouvant par moments, puis ça peut arriver, ça, très émouvant. Et je voyais François, des fois, partir et prendre un bout de temps avant de revenir. J'ai dit, ben, t'as fait quoi? Et puis il me disait, hein, je ne pleurais pas. Je pleurais, je ne veux pas que les gens me voient pleurer. Tellement il était sensible. Il cachait tout ça. Il ne voulait pas le montrer à tout le monde. Et ça, c'est une pudeur, c'est normal. C'était un homme d'une bonté qui a toujours dit, tout le monde le sait, que mon plus beau jour sera le jour où je partirai. Voilà. Et puis, sur sa sépulture, car des amis intimes, comme on est plusieurs, un petit groupe de quelques personnes qui l'ont aidé, qui étaient proches jusqu'à la fin de sa vie, hein, eh bien, on a exaucé ce qu'il voulait qu'on fasse, c'est-à-dire sur sa sépulture, sa tombe. On a marqué, donc il y a son nom, son prénom, il y a date de mort et de naissance, et la phrase qu'il voulait qu'on inscrive dessus, donc je vous la donne, « Il n'y a personne ici. Passez votre passage. » Voilà. Il a raison. Exactement. Vous savez, François disait souvent, en parlant des cimetières, il disait, et c'était marrant, mais c'est vrai, il disait « Ici ne repose que de vieux vêtements, et de toutes les façons, il ne roupille pas sous la dalle. » Ce que disait François, comme il disait des fois en parlant du Vatican, il me fout une paix pontificale. Voilà son grand humour. C'était un homme qui avait beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Oui, quand il parlait de ses livres, c'est marqué dans mon petit livre pour qu'on achète ses livres. C'était marrant. Il était rigolo. Quelles sont vos plus belles rencontres? Hélène Bouvier,
Madame Berthe, que vous ne connaissez pas, qui était une très grande médium incorporation qui ne recevait pas, très grande médium spiritualiste bien sûr. Et bien sûr, Nicole Leprince, qui était une amie extraordinaire, grande médium, qui fut décorée par Gaston Defferre pour avoir retrouvé des enfants à une époque. Elle est partie d'un départ volontaire. D'autre côté, c'était ma sœur d'âme, de tout, c'était. Voilà. Un double. On avait les mêmes phénomènes médiumniques, les mêmes particularités. C'était extraordinaire. Ouais. Et c'était la seule, de toute façon, à ce niveau-là de ma vie. Hein. Et puis, bien sûr, ben, François, j'ai parlé à l'instant, bien sûr. Et puis après, les rencontres humaines qu'on peut faire. Mais marquante, quand on parle, c'est ça. Vous voyez, Hélène Bouvier, quand elle me voyait, elle disait, ah, j'adore vos fluides, j'aime bien vos fluides, qu'elle disait mon petit. Elle me disait, ah, vous êtes, c'est le médium de Monsieur Dumas, c'est le médium de Monsieur Dumas. Alors, Monsieur Dumas, il faut savoir que c'est. Monsieur Dumas, c'était le directeur d'un centre à Paris de conférences et de médiumnité. Et c'était un ancien, à l'époque, il était ancien ingénieur. Et donc, il m'avait testé. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'hommes dans cette association, il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait que 4-5 femmes, pas plus, hein, 6 femmes, pas plus. Donc j'étais le seul. Donc il m'avait testé, ben, c'était dur parce que c'était sévère. Il fallait prouver le côté spirit. Hein. Et donc il m'a accepté. Et puis après, il m'a lancé avec lui et Nicole Leprince en public là-bas. Et puis après aussi en province et ailleurs. Et puis au fur et à mesure, voilà. Et voilà. Donc j'ai vu, donc, comme j'ai dit à l'instant, en public François Brune. Donc j'appréhendais de le voir comme ça, me regarder travailler. Et les gens que j'admirais, c'est François et puis ces personnes-là que je vous nomme. C'est la salle psychique. Oui, absolument. D'accord. La rencontre marquante. Ben, c'est La toute prioritaire, oui. prioritaire. Je peux pas dire ça. Je peux rendre hommage quand même, et je veux le faire bien sûr, à quelqu'un qui s'appelait Mado. Mado, qui était une visiteuse de prison, qui faisait partie de la Ligue des droits de l'homme, que j'ai connue par d'autres amis à Paris, venant de arriver à Paris à 21 ans, donc j'ai connu aussitôt, si vous voulez. Donc Jean-Claude Bourret avait à l'époque, avant de s'occuper des ovnis ou parler des ovnis, avait consacré deux reportages sur son travail de visiteuse de prison, etc. Oui, absolument. Et voilà, et elle était bouddhiste. Et c'est elle qui m'a parlé des séances publiques où elle avait connu Madame Berthe, etc. Et moi, je me disais, ça en public, c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Mais voilà, ah oui, une petite aparté quand même, c'est que. Quand j'étais jeune, j'avais 11-12 ans, il y avait une émission que certaines personnes de ma génération, dirons-nous, ont connue. C'était à l'époque sur France 2, Aujourd'hui Madame. C'est une vieille émission télévisuelle. Et j'avais vu à cette époque-là, ils avaient suivi une médium en public, et c'était qui? Mademoiselle Hélène Bouvier. Quand j'ai vu cette femme-là en public et son reportage sur elle, ça m'a interpellé, mais extraordinaire, parce que je vivais l'au-delà, le phénomène. Je me suis dit. Elle habitait Paris, moi en province, en voyant. J'ai pas de famille, personne, aucune raison. J'ai dit, je suis certain que je la connaîtrai. J'avais comme une conviction incroyable. Et quand je suis arrivé à Paris, je l'ai connue très très vite, Hélène. J'allais très souvent à ses séances et tout. Bon. Voilà, elle m'avait demandé également, à un moment donné très âgé, à un monsieur qui l'aidait aussi pour sa salle, son association, de venir travailler avec elle. Et puis moi, je n'avais pas le temps, j'étais très occupé. Et quelqu'un qui ne le sait pas, cela, a priori, je ne pense pas, c'est mon collègue et mon frère aussi, Reynald Roussel, justement, qui a été sollicité. Mais il ne sait pas, je ne crois pas que c'était. J'étais demandé avant, en fait. Mais je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas, à l'époque. Et c'est bien qu'il a pu avoir aussi Reynald avec elle, bien sûr, évidemment. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets, un nouveau livre? Ah, ben, j'aimerais bien écrire, ça, c'est vrai. J'ai plein d'archives de côté, je note quand je peux des choses, un maximum. J'ai des gens qui veulent bien témoigner aussi, parce que j'ai eu des cadeaux merveilleux de preuves de survie, bien sûr. Et oui, bien sûr, il y a plein de choses que je voudrais dire, et j'ai tellement vécu d'expériences comme vivent certains médiums, hein. Il y a de quoi dire encore et raconter. Je vais m'y mettre, promis, je vais le faire. Je commence à voir un petit peu, bon. Et ma dernière et traditionnelle question du reporter de l'au-delà, quelle est votre plus belle expérience? De vous rencontrer, Elisa. Vraiment, sincèrement, ça fait un plaisir de vous rencontrer. Mais plus belle expérience médiumnique? Non.
pour vous, la plus belle expérience de votre vie? De ma vie? Oh là! La plus belle... C'est fort cette question, la plus belle expérience de ma vie. Ah, la plus belle... La plus belle expérience, je suis là sans voix. Vous dites le mot expérience, hein. C'est le vécu, je pourrais dire ça avec un grand V comme mon nom de famille, Vigneault. C'est le vécu de, avec ces hauts et ces bas qui m'ont fait grandir sur le plan spirituel, évoluer, qui m'ont fait avancer. Ça, pour moi, c'est la plus grande expérience. C'est pouvoir apporter mon aide à mon prochain, grandir avec ce que Dieu nous donne comme capacité, potentialité pour pouvoir apporter ce soutien. C'est un parcours. C'est toute une vie qui n'est pas finie, c'est quand Dieu voudra, hein, de toute façon, pour le départ. Hein. Moi, je suis prêt quand il veut, hein, de toute façon, ça, il n'y a pas de problème, ça m'est égal, ça. Du moment que j'ai demandé qu'une seule chose, là-haut, que ma mère ne perde pas d'enfant. Ayant vécu tellement auprès des parents qui vivent d'y perdre des enfants, je vois tellement la souffrance et la douleur de certaines personnes que je sais très bien que c'est horrible pour une maman et pour des parents. Donc, je demande juste ça, que ma mère n'ait pas de son vivant la perte d'un enfant, et après, quand ils voudront, là-haut. C'est tout. Voilà. Mais pour moi, c'est la vie, l'expérience, les rencontres humaines, c'est l'amour, c'est tout ça. Moi, souvent, je dis une phrase, c'est on est tous sur un même bateau. Alors, certains habitent sur des grands bateaux, d'autres des petites barques, hein, ça c'est vrai. Mais c'est nos valeurs humaines que l'on doit aussi développer, que l'on doit prendre conscience du prochain, du... On peut pas être empathique et dans l'amour avec tout le monde, c'est pas vrai, ça serait mentir. Mais au moins avoir la tolérance, la compréhension, écouter l'autre comme on peut, même si des fois on n'est pas toujours, voilà. Partout où j'ai habité, moi on m'a toujours dit dans les immeubles parisiens, à Paris, mais vous n'avez pas de problème, vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours en train de vous blaguer ou dire un mot. Je dis écoutez, non seulement j'ai mes problèmes comme vous, en plus j'ai aussi le problème des gens à gérer par leur souffrance aussi. Parfois, c'est pas évident le quotidien. Mais si on ne sourit pas, personne n'ira vers vous. Les gens qui font la tête, personne n'ira vers vous. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vous disent bonjour, qui ne vous regardent même pas. Et moi, je leur reprends. Je leur serre la main et je dis bonjour. En face, regardez-moi. C'est important le regard en face. Et une poignée de main ferme, mais non pas une poignée... Vous savez, c'est comme les gens qui vous embrassent et qui, hop, ça esquive, c'est pas sincère. Ou c'est, voilà. Le sourire forcé, vous savez, c'est pas agréable. Et je vais terminer pour vous dire sur le sourire une chose importante. Il y a de très très nombreuses années de cela, il y avait beaucoup 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 de suicidés du haut de la tour Eiffel. Beaucoup. Maintenant, ils ont mis des caméras, ils ont mis plein de choses, ce qui fait que maintenant, c'est pas possible, c'est vraiment hautement surveillé, on va dire. En fait, les hautes sécurités ont été mises dans les derniers étages, tout ça, les deux et troisième étage, à partir du dernier suicide que je vais vous raconter maintenant, l'histoire. C'est extrêmement fort et puissant, une sacrée leçon, comme on dit, de vie. C'est un jeune d'une vingtaine, 23, mort sur le coup, forcément, vous imaginez bien en face, en bas. Il avait une main qui était serrée. Et dans sa main, on voyait un bout de papier qui dépassait. On a ouvert sa main, et sur ce papier, il y avait écrit une phrase. « Si à la fin de la journée, je n'ai pas un sourire, je me suicide. » Un jeune en détresse, en souffrance. Il avait ce mot avec lui. C'est étrange, il avait ce mot. C'est à partir de là qu'ils ont enfin fait ce qu'il fallait faire, davantage pour la sécurité. Il y avait déjà la sécurité, mais pas autant, si vous voulez. Donc ça, vous voyez, c'est une sacrée leçon de vie, le sourire, c'est le partage, c'est tout. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Lisa.